on a beaucoup à apprendre de vous, parce que ça va être très intéressant de voir comment est-ce que vous avez vécu votre expérience. On compte sur vous pour réfléchir bien avec nous, et tout ce que vous allez pouvoir nous apporter, on va prendre tout ça et on va essayer de les analyser et on va s'en servir pour que les jeunes qui partiront après puissent bien profiter de votre expérience. Chez moi qui commençait à prôner des valeurs où j'étais complètement contre, je me suis dit que j'allais me regarder différemment. J'ai une baisse de morale, vu que c'est pour tout le monde pareil. Enfin, je sais pas, mais on m'avait tellement dit en France, surtout ne faites pas les retours en train de Noël, vous allez vous sentir mal et tout, mais c'est normal, c'est un temps qu'on passe en famille d'habitude, ça va être bizarre. Je me suis fait deux amis dès le début, c'était les deux seules qui parlaient anglais dans ma salle, donc c'était cool. Après deux semaines, trois semaines, je commençais à comprendre pas mal le portugais, à le parler. Ça va assez vite et puis je parle italien. Quand j'ai vu tous les autres étrangers qui parlaient hyper bien anglais et moi mon anglais il était pourri, j'étais là, oulala, je vais galérer cette année. Donc j'étais pas trop rassurée. Après j'ai vu ma famille et ça s'est hyper bien passé et j'arrivais quand même à me débrouiller en anglais et tout. Donc ça a été... Il y a des problèmes de famille. Le mariage, c'est vraiment difficile de trouver un couple qui est marié, qui s'aime encore, même à 60 ans. Il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de gens qui se séparent. Il y a très peu d'enfants qui disent « j'ai encore mes deux parents ». Et donc quand tu vois qu'en fait la messe, le dimanche, ça rassemble toute la famille, tu les vois au final réunis, bah, tu te dis que c'est un bon côté, et, c'est peut-être pour ça, donc il va falloir faire un effort, et de toute façon le dimanche c'est rien, enfin, on s'en fout. Donc, je disais, je crois pas à ce que vous faites, mais par contre, je veux bien participer à ce que vous faites au niveau de la religion. Et après, je suis tombée dans une famille à Barcelone géniale, et je suis remontée, et voilà. Là, je suis rentrée en France. J'ai passé mon bac. J'ai quand même eu des bons moments parce que j'ai fait des voyages. Donc je suis pas restée tout le temps dans la famille, donc du coup ça m'a vachement aidée. Et après quand j'ai changé de famille, j'ai été dans une famille avec qui je me suis entendue avec tout le monde. Je sais pas, je suis dans une phase où j'arrive pas à me voir plus tard en fait. C'est-à-dire qu'avant de partir, je me voyais partir, je voyais cette expérience et mais je m'imaginais pas après. Comment concilier les deux cultures ? Reste toi-même et vis comme tu veux. Tu peux garder les deux cultures en toi et en faire ta culture, souligné en majuscule. C'est beau ça. Franchement, j'aime bien cette phrase. Prendre le meilleur des deux et construire ta propre identité, celle que tu penses être juste à tes yeux. Et oui, c'est... Ah, c'est celui-là. Et si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Oh!
Nous allons donc partir sur un championnat. Un rallye RFS. Donc donner le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur sur chacune des activités. Faut gagner, hein. Ok ? Merci. Il doit faire 3 photos. Ils ont 3 thèmes. La première, c'est Vivre sans frontières. La deuxième, c'est Choc culturel. Et la troisième, c'est Retour. Faut qu'ils soient imaginatifs. Après, c'est nous qui allons juger les photos. Et c'est une compétition. Toi, qu'est-ce qui t'a choqué en Chine ? Tout. Et, je sais pas, faut trouver un exemple. Manière de manger. Crash. C'est impossible, 3 photos, 10 minutes. Tu me regardes, le choc genre, culturel, qu'est-ce que tu fiches que... avec elle. Mais okay. Oui, c'est ça le choc culturel, voilà. Ok, c'est que nous arabes, on soit amis avec... Vous vous mettez derrière le filet et moi je me mets devant. On monte tout sur le truc, genre. Avance, saute, en saut vers. Un nombre de points directement pour les classements, parce que ça peut aider certains. Tu fais présenter tous les groupes et bénévoles idiots. Culture, et puis après, photo. Bois. De loin en fait. AFS, on s'envole pour les Amériques et la Chine. On voyage dans le monde, on fait des rencontres, on s'amuse. Dans la bouche, il a plusieurs langues parce qu'il est il est polyglotte. Il a un tatouage AFS parce qu'il a les valeurs d'AFS dans la peau. Les yeux qui louchent, et tic et tac.